Up. Up. Ah non. Bon, c'est pas grave. Là, là, encore pareil. Pareil. C'est encore au maximum. Ah putain, mais c'est abusé. C'est énorme. Ah, c'est cool. Là, ça devient de plus en... Ça devient de plus en plus abusé, là. Mais j'aime bien. J'aime bien. On est à la recherche du trésor avant. Avant tout. Oh. Corbeau ? Ah non, c'est une pierre. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Trésor. Qu'est-ce que ça dit? D'accord. Mort au dieu corbeau, seigneur des pendus. Ah! Non, là, ouais. Voilà la solution de l'ennemi. Très prisé par une main, comme ça. Pierre du début. Augmente tous les dégâts de givre infligés. Ouais. Il y a encore une boule. Qu'est-ce que ça dit? Faucon, aigle et tourterelle nagent tous dans l'océan du ciel. Hein? Ces runes sur la roche. Elles veulent rien dire. C'est du charabia. Tu veux que j'essaie des filles? Du charabia. Bon, on va aller, on rentre, on rentre, on rentre. Toc toc, quelqu'un. Père, elle est là. Je suis tellement content de te revoir. Je savais que t'étais pas mort. Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Oula. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. Tu vas te prendre un pain, toi. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin, désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps.
Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerai, Votre Majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse ? Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer ? Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet ? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant. De rien. Pourquoi t'as fait ça ? Je crois qu'il est énervé. On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse ? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, Tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route ? Le serpent monde ? Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui ! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai ? Oui ! Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungandr, tout petit vlard de la conversation. Donc techniquement, on est trois maintenant dans notre aventure. On est Kratos, le gamin, et une tête. Ça va, t'as commandé le guide. Je pense que je vais le prendre aussi, le guide. Allez à la corne du serpent. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage ? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir ? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il est pas cassé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, gamin ? Pourquoi tu montres à droite ? Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Quel pont ? D'abord, on prend de l'argent. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes. Et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère ? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie vanne, qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin. Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Ok. Je suis resté sur le lac juste pour écouter l'histoire, en fait. On y va.
tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne. Tu peux pas l'appeler Mimir, s'il a un nom quand même. C'est pas une tête, il a un nom. Tête. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Je sens que c'est une erreur, je sais pas pourquoi. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor. Sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais... c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Souhaitez-moi bonne chance. Je n'ai pas perdu l'âme. Il se souvient de moi. La yu... Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez ami avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sûrement. Faut un burin, la rune. Hé, hey, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Encore plus d'exploration. Oh oui. Donc il faut le burin pour pouvoir marquer le symbole sur la porte où c'est qu'on a trouvé Mimir. Il faut aussi trouver le symbole. Et on va sûrement taper des géants. Ça c'est obligé ça. Alors, histoire principale ou exploration? Telle est la question. Moi je veux bien un peu d'exploration. Ouais. Ah, un peu d'explo et après on se concentre sur l'histoire principale. Ah,
et je peux les lire. Ah, ça dit quoi, gamin? C'est un nom. R. Wow, le nom l'a allumé. Ah, cool. C'est le nom d'une Valkyrie. C'est très curieux. Allumer les brasiers. Ah, sympa. Ah, putain, on va devoir refaire le tour. Oh, mon Dieu. On fait que revenir sur nos pas à chaque fois. Salut Jala, bienvenue. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Oui, les ça deux va. Me vont. À toi de décider. Ça va, j'ai compris ça. Je pense qu'on va faire de l'explo. Sois prêt. Des cauchemars. Oh, je les déteste. Qu'est-ce que c'est classe de renvoyer? Oh putain. Ah, astuce. Ah, on peut les geler. C'est vrai que j'ai... Atreus, par ici. Je le fais quasiment jamais de les geler. Encore une de ces cartes. Ah. Bien que nous venions d'Alfheim, les elfes blancs veillent aussi sur Midgard. J'ai passé le plus cher de ma vie, le plus clair de ma vie même. Dans cet avant-poste, j'y mourrai sans aucun doute. Un avant-poste. Avec des elfes blancs, sûrement. Île de lumière, on verra ça. Excuse-moi. Serais-tu en vie? Ok, apparemment, t'en as rien à foutre, ça va, c'est cool. Ah, notre petit nain. J'ai un service à vous demander. Vous vous souvenez de la dague que vous m'avez donnée? La dague qui était plantée dans le dos du pillard? Celui qui a été tué par son fils? Oui, j'aurais du mal à l'oublier. Eh bien, elle vient d'un groupe de pillards stationnés dans la forteresse de Nortri. Je parie que c'est là qu'ils gardent ce qu'ils ont volé dans la réserve de Fafnir. Ainsi que la pierre à aiguiser que je pourrais utiliser pour vous aider. Ok. La forteresse de Encore une chasse au trésor. Nortri. Inutile. Non. Pas si Sindri peut améliorer notre équipement grâce à cette pierre à aiguiser. Et puis, pense au fils du pillard. Il a assassiné son père. Waouh. Oh putain, il a plein de nouveaux trucs. C'est quoi ça, un enchantement qui améliore les stats aléatoires, octroie la résistance aux dégâts de brûlure. Oh la vache. Oh la vache. Armure défensive robuste qui favorise la vitalité, avant le métal, le nain favorise rune et force. Ah.
Ça y est, ça devient le du n'importe quoi. On a trop d'armure à acheter. Et à créer surtout. Faible chance d'obtenir un atout colère enflammée à chaque coup réussi. Colère enflammée augmente considérablement la force, restaure un peu de santé et libère une vague d'énergie à chaque attaque normale. Ça c'est énorme. Va falloir qu'on farme, je sais pas comment, mais des braises ardentes, ça a l'air d'être super bien. Invoque une puissante maestrum de Muspelheim qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos, réduit les dégâts subis et inflige des dégâts de normaux dégâts. Ok, ça marche, c'est cool, sympa. Et que puis-je faire pour toi ? On voulait créer les épaules des anciens, je crois, à la base. 18 et 10. Mais maintenant, on pourrait faire autre chose. Et ça vaut juste de l'argent. Ça serait juste de l'argent. Donc, à la limite, je pense prendre... ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Plus de tout en fait. Il y a juste la récupération qu'on perd un peu. Mais yes, merci. Si je peux pas... Ça non, par contre. On a la ceinture des anciens qui était vachement bien. Et là, on a toujours aussi le gantelet de tir. Ouais, non, ça non. Ça, le gantelet de tir, c'est le top. Allez, au plaisir. Au plaisir. Attends. Retirer. Alors. Chance et augmente tous les dégâts de givre. Ouais, voilà, et on y va. Objectif. Le bureau magique, ça c'est en pause. Forteresse pour le moment. C'est par là? Je sais pas. Où est-ce qu'on va là? Non, l'autre côté. Pour redescendre, ok, ça marche. Je pense pas qu'on est sur la bonne direction, en fait. Hmm.
Aller à la carte, voilà. Affaire de famille, c'est où? Ah, c'est loin, mon dieu, ok. On est perdu? Non. Bon. On va explorer. Ce n'est pas le moment de jouer tête. Connais-tu ce lieu ou non? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. En tout cas, ce lieu a l'air très important. Pour qui? Je ne vois rien de valeur ici. Bon. Bon, on se casse. Peut-être plus tard. Kratos, il veut pas s'asseoir sur les sièges, rien, donc bon. On se casse. On verra ça plus tard. Y'a quoi là? Ok, ça c'est un truc à détruire, ça on reviendra plus tard. Go, go, go. Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. Oui, oui. Se trouve le burin. Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. On verra ça après. On verra ça après. Quoi ce bruit? Ah oh, oh. C'est parti. On va peut-être se faire des fous, hein. Des ennemis devant. Qu'est-ce que c'est que ça? De se faire one shot. Non, 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 non. C'est reparti le one shot. Ça m'avait manqué, tiens. Ok, plus tard. Niveau 6 direct, plus tard. On va attendre un peu. Ah, on n'a pas perdu notre rage. Cool. Ah, on pourrait tester le rocher. Allez, on va tester un truc. On va relancer. Concentre-toi. Ok.
Oh la vache. Ok, il fait mal. Je n'en avais encore jamais vu. On les croirait tout droit sortis de Hell. C'est quoi cela? Je peux avoir une explication sur ce que je viens de combattre? Rien du tout. Pas d'explication, rien. Y a pas le bestiaire qui s'affiche, non? Putain de merde. Rocher. Rocher OP, c'est bien. Salut Nero, bienvenue. Ça va, on vient de se faire OS, mais on a OS les monstres en retour. Enfin, plus ou moins OS. Carte mise à jour, ok, non. Le gosse, il a fait quand même tomber un monstre hein, directement par-dessus bord, c'était magique. C'était magique. Hey, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Code de Niflheim, trouver un sur 4, ok, ça marche. Ah non. Ah, Fafnir. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Fafnir? Tu veux dire Fafnir de la réserve? Celui-là même. Sindri a dit que c'était un nain. Avant. Maintenant, c'est un dragon. La vie joue de ses tours, hein. Il est enchaîné. Nous devrions peut-être trouver les hôtels d'obédience et libérer le pauvre bougre. Qu'en dites-vous? Ouais. Je pense que c'est une idée à la con, mais allez. De toute façon, on n'est plus à ça près. Oh non! J'arrive tout de suite! Pas la peine, quand même. Pas la peine. Pas la peine. Je me suis mis au milieu du souffle du dragon. Bonne chance, j'ai eu du mal. Ah, ok. Ça a l'air intéressant. Ah non, je commence avec ça. Allô. Ah. Je vais l'éliminer. Allez dragon, tu fous quoi là? Retour à la terre. C'est chiant avec ce dragon qui crache constamment. Niveau 6 quand même ces connards de calculer. Non, recule. Attention.
t'as raté un gamin. Il est mort. Dépêche. On peut le faire à distance. Comment ton ami est devenu un dragon, lui ? Oh, mais ce n'était pas un ami. Ce petit fumier était un véritable emmerdeur, autant pour les vannes que les as. Alors pourquoi le libérer ? Croisant un ancien captif, il ne mérite d'être détenu ainsi. Pas même un cupide petit nain devenu dragon. Le reste est par là ou alors il faut avancer ? Reste cool. Ok, merci. Oh merde. À la question d'Atreus tête. Comment le nain est-il devenu un dragon ? Eh bien, je n'en suis pas certain, mais je suppose que sa tendance à voler des artefacts magiques n'y est pas étrangère. Il a dû dérober une babiole de trop à une déesse vanne. Là, regarde. Ah, moi qui me posais la question. Wow. Cool. Ah, il est là l'autre. Okay. Alors. Non, pas de ce côté. Putain, j'ai cru que c'était un saut. Ah là, ah. Ça l'interrompt pas quand je tape avec ma rune. On va en chier. Ah putain. Allez, on va le faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, intéressant. Ok, c'est parce qu'il a une armure. Ma rage.
Plus d'armure, yes. C'est quoi ces trucs? Des vagabonds?